La première chose qui est super importante, c'est 22 000 suppressions de postes sur 5 ans. C'est énorme, c'est des réductions budgétaires qui sont terribles. On nous demande de faire de la santé comme on ferait dans le privé, sauf qu'on n'est pas pour le privé. On a fait le choix de travailler en public, c'est pas pour rien. On pense aux avantages à tout ça, c'est pas question de ça, c'est question de travailler de manière équitable pour tout le monde. De soins gratuits pour nous, pour vous, pour la famille, pour tout le monde. C'est un mépris, c'est le fait qu'on ne soit pas écouté, c'est du travail à la chaîne, on travaille avec l'humain, on ne travaille pas avec les chiffres. On nous demande des choses qui sont peu réalisables, qui mettent les patients en danger, qui mettent les soignants en danger. Voilà, c'est des réformes qui vont à l'encontre du système, qui ne sont même pas compréhensibles. Voilà, c'est... Il y a 22 000 postes de supprimés, il ne faut pas l'oublier. Concrètement, vous, dans vos services, ça donne quoi? Bah ça donne qu'on n'a plus le temps de s'occuper des gens, que les gens deviennent des numéros de chambre, que les gens, on peut pas faire de prise en charge personnalisée puisqu'on a 30 patients pour 2 infirmiers, plus ou moins, ça c'est un exemple pour chez nous. Et nous on trouve pas ça normal. Chaque personne nécessite les soins nécessaires, l'accompagnement nécessaire, et ça on nous l'empêche si on supprime des postes dans le dos de tout le monde sans jamais en parler, que ce soit à la télé, dans les journaux, et ça on trouve ça inadmissible, tout simplement. Les usagers ils bougent, ils vous disent des choses, vous êtes en lien direct avec le public. Tout à l'heure on a croisé un monsieur qui venait là prendre des photos et qui nous disait qu'il n'était pas là en tant que soignant, en tant que patient. Ça m'a vachement touché, c'est le seul que j'ai vu sur tous les gens qui sont présents ici. Les personnes soignées, le public est concerné. Son opinion, je la connais pas, on les voit pas ici, c'est dommage parce que pour le coup, ça concerne tout le monde. La santé, c'est les soignants et c'est surtout les soignés, c'est pour ça qu'on fait ça. Marisol Touraine sur BFM TV dit que ce gouvernement a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'enveloppes pour l'hôpital et qu'il y aura un nouveau plan fin novembre. Ça vous fait rêver? Non, pas vraiment, non, parce que nous, le plan fin novembre, justement, c'est regrouper les hôpitaux tous ensemble. Des groupements hospitaliers. Voilà ce qu'on appelle le GHT, les groupements hospitaliers territoriaux. Ça, malheureusement, ça éloigne les centres de soins du public, des familles, des usagers. Dans l'idée, il faudrait mettre plein de petites structures en ville, proches des gens, mais on sait que c'est pas réalisable parce que ça demande de l'argent, il n'y en a pas. 22 000 suppressions de postes, c'est qu'il n'y a pas d'argent a priori. Voilà, 3 milliards d'euros par année de réduction. 3 milliards d'euros. 4 milliards maintenant, voilà. Même nous, on ne suit plus, c'est pour vous dire à quel point on en est. Voilà. Donc ça se passe par des non-remplacements, ça se passe par des gens qui ne sont pas remplacés lors de congés maternité ou d'arrêt de travail. Et on se retrouve à être seul pour s'occuper de 30 patients. Et ça, c'est pas normal. Les gens ont besoin de plus de monde pour s'occuper de leurs soins, en santé physique et mentale. C'est le plus important. Non. Pas syndiqué, on se tâte. On verra, mais on n'est pas forcément d'accord avec non plus les positions des syndicats. Donc nous, on vient aussi pour représenter nos convictions à nous. C'est pas assez offensif, c'est-à-dire qu'on fait des manifestations, encore une fois on voit qu'on n'est pas devant le ministère de la Santé et sincèrement on doute un petit peu de l'efficacité de la manifestation aujourd'hui. On espère que ça améliorera les choses mais ça n'est pas encore là. Voilà. Ouais, ce qui me gêne c'est la consensualité des syndicats, le politiquement correct. Je crois qu'on est arrivé à un moment où le politiquement correct on peut s'asseoir dessus. De mon point de vue, on a des gens qui nous régissent et qui nous gouvernent et qui s'asseyent sur nous, qui s'asseyent sur nos métiers, qui s'asseyent sur la santé, le bien-être des gens. Voilà, j'ai pas envie de dire amen à ça.